milieu. Voilà. Là, il vient de répartir des personnes. Dans toutes les salles qui utilisent donc des gens. La question, c'est est-ce qu'il gère les compétences ou pas? Et de toute façon, en plus, il me manque du personnel. Donc, il va falloir que, de toute façon que j'embauche du personnel. Bon. La question, c'est là maintenant, par exemple, dans cette salle-là. Si je regarde le personnel. J'ai des game designers. Si je regarde en marketing et support, j'ai des gens qui sont là mais qui sont pas forcément compétents quoi. Est-ce que c'est parce que je n'ai vraiment pas d'autres marketeurs? Qu'il a pris par défaut ces gens-là. J'ai l'impression qu'il a pris des gens très compétents, hein, mais... Ah, c'est simple, par exemple, en marketing, si je trouve des gens plus compétents en marketing dans une autre pièce, c'est qu'il y a un problème. Donc ça a l'air d'être bien géré ça. En fait ça a l'air d'être bien géré. Je pense qu'il vaut mieux laisser. Ah non là tu vois par exemple lui là. Il devrait pas être là hein. Lui il devrait être en marketing à la place de. À la place de quelqu'un d'autre. Ah, ça y est, Internet est apparu. Du coup, on va virer quelqu'un d'ici. On va le sélectionner, on va le mettre là. L'IA va le gérer. Ok. Et donc là, ouais, donc là évidemment, j'ai des mecs qui ne savent pas quoi foutre. Mais parce que... en fait, ces mecs-là... En fait, il faut que je prenne... Voilà, il faut que je prenne les 13 Gugus... qui sont sans... Alors que c'est con en plus parce que c'est bien les mecs qui ont... Comment qui sont pas... Lui il devrait être en ingénierie aussi. Il me faut 20 mecs hein. Donc on va prendre les 20 premiers mecs. Qui sont beaucoup plus compétents pour ça. Bon, on va dire qu'on va prendre ça, du coup. On les sélectionne. Et eux, on les met là. Mais clairement, je manque de personnel. Du coup, on va relancer le jeu, on va... Voilà. Alors là, il n'y a plus de concepteur. Du coup, il va falloir que je détermine un concepteur. Non, c'est pas ce que je voulais. C'est rapport de développement. Concepteur principal. Ouais, il a pris le plus compétent. Et moi, de toute façon, j'y suis plus, hein. Bah non, j'y suis plus. J'ai été recasé ailleurs, je sais pas où. le patron qui sait même pas où il bosse. C'est ça qui est génial. Bon. Qu'est-ce que je fais? Oh, puis en plus j'ai une pénurie de main-d'œuvre sur le marché au pire moment. Bon, ok. Il y avait Doom 7 à faire.
Il me faudrait un putain de calendrier avec les semaines. Attendez, j'ouvre ça. Hop. Calendrier semaine. Donc, il faut que je pense que... C'est pas compliqué. La première semaine de juin, c'est la 22e semaine de l'année. On va dire 21e semaine. Ok. Faut que j'ai ça en tête. Eh ben dis donc, ils sont efficaces. D'accord, du coup, ben, on va annuler la tâche. Et puis ben, on va commencer une campagne de fans. Non, on va gérer la boutique de fans, j'ai besoin de pognon. Alors je vous explique, ça on peut faire du merch. Ok. Bon. Ça fait un petit peu de beurre des épinards en plus. J'ai envie de dire. Ça, faut que ça sorte. Ça, faut que ça sorte. J'en ai ma claque. Vas-y. Vas-y. Terminer le développement. Hop. Autodistribution. Le pognon. Piggy 16, tac tac tac, 80 semaines. Ah oui, c'est ça, c'est le truc, c'est que le jeu d'arcade, de toute façon, j'ai pas le choix. Ça sort tout de suite. Bon. Donc ça, ok. Ensuite, ici, on développe un jeu, une suite. On va développer la suite de Doom 6. Non, il me faut les jeux double A. Il me faut les jeux double A, donc. Divers, double A. En automatique, s'il te plaît. Bon, en attendant, les mecs, vous avez pas rien à foutre. Vous allez améliorer le moteur. Ok. Alors, eh ben j'ai trois jeux, ça tombe bien, dont Anti-Terror Force. Parce que je veux.
Alors, du coup, on va se faire notre Doom-like 7 en double A. Alors, il va falloir faire attention. Non, non, il faut bien que je reste sur le prix sur les parts de marché. Mais il faut minimum 3. Hein. Ok. Bah ben ouais, évidemment, j'oublie de faire les rapports à chaque fois. Du coup, j'ai des indications en moins, mais c'est pas grave. 40 sur 40, je suis déjà à la limite de mes double A, donc ça va être réglé. Bon. On va prendre notre temps. Du coup, je vais d'abord faire les rapports avec eux. Je manque de personnel de ouf. Bienvenue à mes 13 nouveaux salariés. Et c'est drôle mes filiales là, qu'est-ce qu'elles foutent? Un petit bout de temps qu'ils m'ont pas proposé de jeu. Ouais, mais c'est en cours. Ils sont en train de développer leur jeu tranquillement. Bon. Donc j'ai des mecs qui foutent rien. Eh ben on va faire une nouvelle salle. Est-ce que 5 personnes suffiront? En vrai, on va garder l'idée de base. Mon idée de base, c'était de faire une autre salle ici, 10 x 10. Mais 10 x 10, ça fait un peu beaucoup. Oh, fuck it. Comment ça se fait? Là, je pouvais. Bon, bah, c'est pas. Ouais, c'est parce que c'était à cause de la porte. J'ai dû décaler d'un à cause de la porte. Bon, c'est pas grave.
D'accord, ok, pas de problème. Ouais, mais il va falloir que je mette les chauffages et tout. Avant de remettre les bureaux, je vais mettre les tout ce qui est équipement. Eh, franchement, ils sont bien. Vingt-deux, allez, hop, placer la tâche, voilà. Et ici, c'est on verra. Il y a encore des mecs qui savent pas quoi foutre ou comment ça se passe? Ok. Y a des mecs qui savent pas quoi foutre, du coup, les gars, campagne de fans, répétition automatique. Faites-vous plaisir. Et j'ai encore des salariés qui peuvent être recrutés. Alors. Cinq Gugus. Bienvenue. Oh, les frérots là. Ils se sont tous barrés là-bas. Bon. Notre capacité de fan. Oh bordel, on a les machines capture. Ok, du coup, on a un triple A. Triple A, tu es dit toi-même. On va voir les jeux de fin d'année qui arrivent. Ça, c'est cool. Ça arrive vers la fin d'année, en fait, les jeux des filiales. Mais, hé, oh, les frérots, il y a un problème là. T'as pas l'impression d'avoir oublié ça? Non mais...
Super Drive 5, ça a été pas terrible, hein. Vas-y, on le distribue. Il n'est même pas déclaré en tant que suite, en fait. Et on peut pas encore vendre en démat ou comment ça se passe là parce que... Pour la horte. Un jeu de course triple A, non. Ah, voilà, on est la première semaine de mai, donc dans 4 semaines, c'est la convention. Donc on va dire 3 semaines, hein, pour être... Donc on va dire 4 semaines, pas de soucis. Du coup, on a quelques grands classiques à vendre. Actuellement, on a deux jeux. La Pirate des Caraïbes, bien évidemment, hein, on va le vendre. En vrai, on devrait attendre. On va attendre. Ah, bah non, je peux pas. Une fois que c'est décidé, c'est décidé. 4 semaines. Comme ça, on a nos. S'il y en a un qui se réveille là, la dernière semaine de jeu, on va pouvoir le vendre. Eh ben t'es bien con toi. Double A. Love for Magic. Attendez. Eh ben. Vas-y, on accepte. On accepte et ça sort ben, la semaine prochaine. Et j'ai l'impression qu'on a bien fait. Mince. Ah mais oui, mais non, c'est... C'est pas juin, c'est juillet la convention. Bah du coup désolé, mais là j'ai mes trois jeux, hein, donc tu te débrouilles. Employé à démissionner. Bon bah tout, tant pis. Maintenant, c'est bon. Hop. Putain, mais il me manque encore des mecs en fait. Bon. Du coup, nos jeux.
Doomlike, il n'a que 50, hein, mais bon. Ok. Du coup, on a de la hype. Excusez-moi. Non, mais vous arrivez trop tard, les frérots. Je peux pas sortir vos jeux là. C'est trop tard. C'est passé. Donc, vendez vos jeux. Je reprendrai qu'en janvier, les frérots. Du coup, je me suis planté tout à l'heure en disant que c'était. C'est début juillet. Enfin, c'est la première semaine de juillet. Donc, c'est la 25e semaine de l'année. Eh ouais. C'est la 26e semaine de l'année. Donc en vrai, je prendrai des jeux que début février en vrai. Parce que en vrai, bref, après si c'est un petit peu avant, c'est pas grave. Donc ouais. Mais ouais, je prends novembre-décembre parce que sinon après c'est pas possible quoi. Après le jeu il s'effondre avant que la hype arrive quoi. Bon, en tout cas c'est bon. Là on a des jeux rentables. Dont pas mal qui viennent des filiales. En vrai, c'est parce que je compte beaucoup sur la hype, mais à l'unique. Je les diffère au max. Ah, c'est des patchs, ça. D'accord. Du coup, je diffère un max les trucs qui m'arrivent et puis je fais de la hype sur ce qui vient. Mais en vrai, je vais vendre, peu importe. Parce que du moment que c'est rentable, après, je m'en fiche en vrai. Bon, en tout cas, on a 135 millions. Il est donc l'heure d'aller jeter un œil à nos filiales. Et je me demande si... En monter 2 à 4 étoiles, ça serait pas mal. Ou on rachète et on continue à les mettre à 3 étoiles. Non, on va racheter. On va racheter quand on aura vraiment masse pognon. On verra. Voilà. Et donc on a... Ouais. Bon. Après, les éditeurs... En vrai, on peut racheter les éditeurs aussi, ça c'est nouveau. Par contre, le prix n'est pas indiqué. Est-ce que c'est lié à la force de marché? Apparemment.
Donc on va pouvoir aussi racheter les éditeurs. Alors ça, c'est vraiment un patch qui a été assez récent, hein, parce que... Oh! Eh, le format Jig, jeu de l'année. Je crois que je vais devoir faire une salle de marketing. Alors, avant de faire la salle de marketing, je veux augmenter mes salles de prod. Je veux qu'on en ait plus. Ah, d'accord, ok. Oh la bouse. Oh la bouse. Tu es bien. Bon. Du coup, on a Times. En vrai, je vends. Peu importe. En vrai, on va hype ce qui vaut le plus. C'est quoi le dernier truc? C'est Hot Turbo Racing. Les objets de niveau 3 sont débloqués. J'ai 29 millions. On va voir combien ça nous coûte. Ça nous a coûté 23... Ben, ça nous a coûté 32 millions. C'est bon. Ils sont beaux en bleu comme ça. En vrai, les jeux des filiales, on va vendre, on s'en fiche. J'ai Doom 7 là. On est à quoi? On est à janvier? Enfin, on est en... On distribue. Bah, allez, on prend tout. En vrai, on va tout prendre. Par contre, pas 20 semaines. Quoique, s'ils sortent en 20 semaines, est-ce que je peux quand même faire de la hype dessus? On s'en fiche. Allez, hop. Je les diffère tous. Tous ceux qui viennent des filiales, je les diffère. Ils sortiront quand ils sortiront. En tout cas, mon Doom 7, il sort maintenant. Distribution. Ou pas. Ou pas. Je vais attendre un truc. Et je vais attendre un truc avant de le sortir. Je suis en train de réfléchir. Alors, déjà, ça, faut que je lance la prod. À chaque fois, je suis obligé de mettre ça. C'est chiant que qu'il les garde pas en mémoire. Je veux créer d'autres salles ici. Je veux vraiment prévoir une production de malade.
Voilà, je fais 6 salles en plus. Ok, je suis mis de travers. Voilà. Alors, j'ai 10, 15, 15, 20, 20. Alors, j'ai 20 salles de production et une qui est assignée au contrat. 20 salles de production, ça veut dire que je peux faire 20 jeux en parallèle. Enfin, publier 20 jeux en parallèle. Et donc là maintenant, j'ai pas trop le choix, va falloir que je fasse du marketing. Parce que j'arrive plus à suivre au niveau de la hype. Puis là j'ai encore un Gugus qui va m'envoyer un jeu là fin mai. Non? Étonnant. Ok. Bon sinon Doom Like 7 tu lui continues à être poliché, hein, c'est pas un problème. Voilà, parfait. Du coup, qu'est-ce qu'on prend? Vas-y, on a 3 jeux à 0%. On va mettre ces 3 jeux-là. J'ai regardé Times par exemple, Times on s'en fiche, il rapporte 1,5 million, on s'en tape, hein, c'est pas grave. Même s'il est très peu hypé, enfin là il a eu un peu de hype avec la convention, mais ah, c'est pas grave, là 6 millions avec 6 de hype, c'est pas grave quoi. On vend même si c'est quelques millions, on s'en fiche quoi. L'important c'est qu'après on puisse avoir suffisamment d'argent pour acheter des concurrents quoi. Quitte même, vous savez quoi? En fait, les jeux des concurrents, on s'en fiche. On prend tout, on vend tout. Peu importe s'il y a de la hype ou pas. Et on fait de la hype sur les RICOM. Ah bah non, c'est pas logique, c'est pas intéressant de faire ça. On verra.
Le truc, c'est qu'on fait des jeux de basse qualité. Enfin, les filiales font des jeux de basse qualité. C'est ça le problème. Je suis en train de réfléchir à une solution. Pour moi, la seule solution, c'est de... Ouais, pas le choix, hein. Allez, on va tout débloquer. Le marketing, la salle de formation, on va, et y compris les 10 millions pour pour le développement des consoles. On développera des consoles. Bah, de toute façon, on va pas tarder à en développer, en vrai. Là, le truc, c'est que voilà, on va vraiment partir sur ce principe-là. Les jeux des filiales, c'est des petits jeux. Et nous, on peaufine nos jeux à nous. Anti-Terror Force est terminé. Donc, ok. Donc, Anti-Terror Force, vous voyez, 41 millions, ça m'a rapporté énormément. Je vais sortir, du coup. Doom, là, maintenant. Il est peaufiné, il est bien. Du coup, je sors l'autodistribution. Mais j'aurais aimé le vendre en démat. J'aurais aimé le vendre en démat, mais tant pis, ce sera pour le 8e opus. Du coup, je le vends dans 8 semaines. Même pas. Dans 6 semaines, ce sera suffisant. Non, dans 8 semaines. Bon, voilà. C'est un 89%. Je m'attendais à un peu plus, mais c'est pas grave. Je m'attendais à un 90%, honnêtement. Mais bon. Hop. Like 7. Et on va se faire un petit jeu. Qu'est-ce qu'on a en jeu qui ont bien marché? Doom Like 7, évidemment. On avait Ice Hunter qui était déjà un jeu sur du coup on va faire une suite à Ice Runner sur borne d'arcade. Quoi, passer en triple A, Ice Hunter, blablabla, on garde les mêmes trucs. C'était un moteur de quoi? C'était un moteur de quoi? Adresse. En plus, c'est le moteur Adresse. Donc, c'est notre meilleur moteur. On va se mettre à jour au niveau de nos consoles. On va en profiter parce qu'on n'est pas du tout à jour.
Bon. Et pareil, ma motion capture, là. Normalement, je pouvais faire un studio de motion capture. Mais oui, je peux le faire. Du coup, il faut qu'on fasse le studio de motion capture aussi. Du coup, ça va être aussi encore un plaisir. Si je fais du 21 x 10, ça me coûte 1 million. Hop. On va mettre plutôt en coin comme ça. Ok. Alors, on va commencer par tout ce qui est plutôt nécessaire, on va dire. Tac, 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 tac. Ici. Du coup. La petite poubelle. Le distrib. La cafetière. La petite armoire à pharmacie. Et on va s'occuper du chauffage. Ok. Maintenant, le studio. On va les placer comme ça. Et on va en placer un max. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 12. Allez, 12. Hop, plutôt là. Alors, pareil. Ah, oui, j'ai oublié un truc. Ah bon, je l'ai mis. Je l'ai décalé. C'est pas grave, je vais le redécaler après. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais. Ça nous fait 6. Allez, ça nous en fait 6. Hop. Et surtout, j'oubliais, mais. Hop.
Voilà, parce que... Ah, tiens, j'ai oublié ça, tiens. Hop, 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 voilà. Et donc ici, messieurs, pareil, hein. Voilà, c'est histoire qu'ils se sentent bien quand même. Voilà. Ils ont des beaux tapis. J'ai pas lancé la production de Doomlike. Si, j'ai lancé la production de Doomlike cette ouais, c'est parce que j'ai juste pas relancé le jeu entre deux. Hop, voilà. Alors, question, est-ce que je manque de personnel quelque part? Oui. Oui, mais c'est le studio. Ok. Alors, en attendant, attendez que je dise pas de bêtises. Oui, et donc eux, du coup, eux, ce que je veux, c'est qu'ils fassent les contrats. Voilà. Donc, trouver des mecs pour faire les contrats. Hop. On va embaucher des mecs. Ah d'accord. Ben Félicitations. T'as un emploi. Ah ok. Bon bah. Alors. Évidemment, on va mettre la hype à fond sur Doomlike 7. Ok. Lui, il en est où? Les triple A. Ouais, mais même si on s'en fiche un petit peu. Warworms. Bah, on autodistribue, hein. De toute façon, on est parti là-dessus. Donc, hop. Allez, hop, éditeur et développeur. Du coup, 40 000. Vas-y, let's go. Et qui refuse pour le moment. Lui, 43 000, il accepte. J'ai un bureau à 45 000 là. Qui refuse. Eh oh! Mais niquez leur déronne. Mais eh. M'ont coûté cher, eux. Pas mal ça. Décidément. D'accord, un jeu un peu enfantin.
On sort de tout, quoi. Ok. 21 millions, pas mal, ça. Ah, Crank Boutico. D'accord, ok. C'est un Crash Bandicoot. Ok, d'accord. Ok. Pour le moment, on va pas vendre le stock encore. Par contre, on pourrait envisager, c'est d'augmenter le stock. Parce que là, je suis à 1 million sur... Ouais, je suis à 1 million sur 4. Ouais, en vrai... Vas-y, entrepôt de stockage. On va investir un petit peu là-dedans. Plus, c'est niveau 3. Allez, let's go. Dommage qu'on puisse pas faire un cliquer, comment, un clic glisser, vous savez. Je suis obligé de faire un clic à chaque étagère que je pose.